Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lucius en chair et en os pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Miami Beach les gars. Alors restez bien confortablement dans votre fauteuil, les aventures de Lucius Institute commencent maintenant. T'as un peu la dégaine, le mec, il va revenir de Miami, il va être méconnaissable. Putain, je te jure. On va rouler doucement. On va le rouler doucement. Moi, c'est ça mon but. C'est que j'aime bien de rouler doucement. Comme un con. T'es les gars, je suis fatigué. Hey, tu sais quoi? Ça fait deux jours que. Ça fait deux jours que je. Tu vois, je suis fatigué, les gars, je vous jure. C'est pour ça que j'avais besoin de vacances. Ça fait deux piges que je bosse comme un chien. 24 heures sur 24. Je suis explosé. J'ai deux bébés en plus à la maison. C'est fou, hein. Deux piges, mon gars. J'ai eu deux bébés, j'ai monté une boîte. Frère, c'est chaud. Je suis parti aux États-Unis. Je suis parti en Chine. Je suis parti à Los Angeles. Et là, je repars à Miami. Tu vois, en même pas. Ça veut dire trois gros voyages en trois ans. En deux ans. Deux bébés. Et une putain de boîte. Je dis une putain de boîte parce que, mec, elle va prendre de l'ampleur, tu vois, de plus en plus, hein. Et ouais les gars, il y a pas mal de choses qui vont se passer, tu vois, qui vont se passer avec cette boîte. Et c'est fou, hein, en fait, comme jamais dans ma vie, je me serais dit, waouh, je vais m'en sortir en vendant des compléments capillaires. C'est fou quand même. Attends, je dis pas de conneries. Ouais, c'est par là. Tu vois, mais c'est ça, moi, je me connais trop, là, j'ai l'impression que j'ai trop le temps. Tu vois, genre là, il est 23h16. Je prends l'avion à 9h30. On a l'impression, genre, j'ai trop le temps. Mais je me connais. Tu vois, il est vite minuit, vite 1h, vite 4h, tu vois, vite 5h. Et tu sais, des fois, ça nous est tous arrivé, tu vois. Tu te dis, j'ai trop le temps, et en vrai, t'es en retard, tu vois. Mais là, j'avais trop de trucs à faire. Et moi, je suis le style de mec. Ça sert à rien que je dorme, tu vois. Je préfère dormir dans la voiture. Tu sais, je dors des petits coups. Et après, j'ai 8h, allez, 9h d'avion. Donc je préfère dormir dans l'avion, tu vois, je me prends pas la tête au moins. Là je fais gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a les keufs et tout. Tu vois, c'est pas terrible, tu vois, tu filmes comme ça. Bon. Ça fait bizarre de rouler comme ça en France, il fait froid, j'ai le manteau. Il fait exactement 10 degrés. Il fait 10 degrés, tu vois. 10 degrés. C'est pas non plus un froid de canard, tu vois. On est le 31, les gars. 31 octobre 2023. Et à minuit, on sera le 1er novembre 2023. Gars, je suis bien arrivé. Paris Charles de Gaulle, en mode gros plouc. Tu vois l'expression, t'es un plouc. Là, c'est vraiment gueule de plouc. Le mec qui a pas dormi, qui est éclaté, qui est même pas parti, qui est encore en France. Tu sais, le gars, il a pas d'excuses. T'es en France, t'as une gueule de plouc. Je suis même pas arrivé que j'ai déjà une gueule défoncée, les cheveux fracassent, mon gars. Je suis en crocs, le mec, rien à foutre. Avec des chaussettes que j'ai trouvées dans mon sac de sport. Parce que tu vois, j'avais des petites soquettes et je me suis dit, oh, mais je vais faire comment? Dans l'avion, je vais cailler. Là, il fait trop froid, gros. Il est 6h du mat, j'ai galéré à trouver mon parking, tu vois. Tu sais, c'est un labyrinthe un peu ici, tu vois. Bref, maintenant, il faut que j'aille trouver mon terminal. Je crois que c'est terminal 2. 2B, il me semble. Donc voilà, les gars. Je regarde si toutes mes valises sont OK. Petite valise. Dis-toi, moi, là-bas, j'ai le droit qu'à ça. Et j'ai choisi de ramener ça en plus. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas combien ils vont me prendre. On verra, les gars. L'aventure fait que commencer, les gars. Eh, hey, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Lucius Institute. Les aventures de Lucius Institute commencent maintenant. Allez, les gars, un petit clap de fin. Ciao, ciao. Bon, les gars, me voilà à l'aéroport. Ambiance calme, ambiance tout doux. C'est tout doux, l'ambiance ici. Je crois qu'il est là, le check-in.
Bon, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Tant que je ne serai pas assis dans l'avion, je te dirai mes impressions finales. Bon les gars, petite pause. De toute façon, je suis déglingué, hein, je te dis la vérité. Voilà. Tête de cul. Les gars, moi je suis transparent. Je suis pas là pour vous draguer. Je suis pas là pour vous draguer, les gars. J'en ai rien à foutre si j'ai une tête de cul. Franchement, regarde la bille. Hein. Genre veste habillée, chaussettes crocs, casquette déglinguée, lunettes qu'on a. Rien, y a rien, rien ne va en fait. Là, je me pose, tu vois. Je prends mon avion à 9h30. Et là, il est 7h32. Mais crois-moi, quand t'as passé la douane, t'as passé tout ça, déjà, t'es déjà content. T'as passé les bagages. Les bagages sont gérés. Là, du coup, ben voilà, ça va déjà mieux, tu vois. Après, tu te dis, voilà, tu fais avion, après, t'atterris. Bon, je vais pas dire que j'ai fait le plus gros, mais je pense que j'ai fait 40% du plus chiant. Mais quand t'arrives là-bas, c'est un sacré d'aile. La douane, tout. En plus, j'ai plein d'appareils électroniques, faut tout défragmenter, faut tout ôter, tout vider. Et après, à un moment, je cherchais mon passeport, je dis, il est où ? En fait, quand tu pars en voyage, frérot, ta thune et ton passeport, franchement, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Je préfère perdre des slips et des chaussettes. Même un ordi, ça fait chier, tu vois, mais ta thune, ton passeport, c'est game over. Game over, bon. Et ta thune, bah voilà, tu fais quoi ? T'es là-bas, ok. J'ai plus d'argent. Super fatigué, j'ai payé 12€ pour être placé, tu vois, tout seul devant le hublot. J'ai gagné un hublot, siège. Et quand tu voyages comme ça, c'est très très bien. On veut que le voyage continue comme ça. Bon, les gars, on se retrouve à Miami. Restez connectés. Je vous explique le périple. Je suis arrivé, c'était une galère comme tu t'imaginerais jamais. Donc la douane, elle m'a pris la tête pendant 1h30. Donc en fait, tu viens,
ils te demandent pourquoi en fait, tu vois, t'es parti en Chine. Et tu vois, j'ai vu que ça a bloqué à cause de ça, tu vois. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, tu vois, la Chine, les États-Unis, c'est pas GG, tu vois. Et ils se disent, peut-être que c'est un infiltré, le mec, tu vois. En fait, je suis dans la case du terroriste ou du mec qui fait, l'agent espion chinois asiatique, tu vois. Et en fait, tu vois, le problème, c'est que moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est que je me suis dit, putain, ça se trouve, ils vont... je sais qu'ils ont la possibilité, comme en boîte de nuit. T'as beau faire la route, t'as beau faire le... T'es de venir du bout du monde, ils en ont rien à foutre. Ils se réservent le droit de dire, vas-y, je veux pas de toi, dégage. Et là, dans ma tête, je commençais à me dire, waouh, putain, j'ai fait toute la route, j'ai dépensé de l'oseille, putain, vas-y, tu vois. Et ils te font miroiter. C'est-à-dire, en gros, ils prennent ton passeport en otage, tu vois. Et après, il se fait asseoir dans une pièce, tu vois. T'es avec tous les Mexicains, mon gars. Tu sais, tous les gars qui ont des têtes un peu bizarres. Tu te dis, ok, d'accord. T'as l'impression que t'es en criminel. Tu sais pas si tu vas aller en prison. Tu sais pas si on va t'interdire de venir ici. Tu sais même pas pourquoi t'es là, en vrai. Tu vois, t'es là. Et je lui dis, tu vois, en gros, je lui dis, il y a un problème. Elle lui me fait, t'as quelque chose à te reprocher? Non? Bon, bah, il n'y a pas de problème. ils plaignent tout le temps sur le doute, tu vois. Ils sont vraiment dans l'ambiance comme ça. Donc, au bout d'1h30, mon gars. Le mec, il m'appelle et il me pose tout un tas de questions, tu vois. Pourquoi je suis parti en Chine? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il comprend pas. Pourquoi je vais aux États-Unis? Bref, je le dis et il me fait, mais pourquoi autant de temps? Puis pourquoi tu... Bref. Et franchement, j'ai réussi à passer la douane. Franchement, c'était éprouvant parce que franchement, quand t'as déjà le voyage qui est fatigant et en plus de ça, tu tapes 1h30 de douane, tu vois. Bref. Après, je suis parti chercher ma petite caisse, tu vois. La petite voiture, là. Là, ça y est, donc, tu vois, on y avance, on avance là, tu vois. Donc là, j'ai récupéré la caisse. Donc la petite caisse et tout, tu vois. Et je te l'ai dit, tu vois, là, tu te dis au moins, ça va commencer à aller un peu mieux, tu vois. Petite caisse, c'est fait. La douane, c'est fait. Les bagages sont là. Maintenant, je vais chercher mon appartement. Et dès que j'aurai les clés de mon appartement, l'aventure pourra commencer. Voilà les gars, restez connectés. Hein. Ciao. Du bien, je me suis calé encore une caméra là. Ah mon gars, mon gars, mon gars. Par contre, il y a juste un truc qui me saoule. Ah ouais, je me rappelle, faut lever la poignée. Et après, attends, faut déjà que j'allume la caisse. Ouais, il y a un truc en fait, voilà, c'est ça. J'avais zappé. Waouh, ça c'est la classe, gros. Ça c'est pire que la classe, gros. On n'est pas bien là, nous. Putain. Ah, c'était tellement une aventure de folie, mon gars. C'était, je te jure, quelque chose, gros. C'était éprouvant. Là, je vais aller manger un bout et je vais aller chercher mon appart. Je vais aller gérer mon appart parce que, bon, bref. Tu sais, c'est le moins dur. C'est-à-dire que même si ça part en coup, je m'en fous, je me prends un hôtel, j'ai mes bagages, j'ai ma thune, j'ai mes... Tu vois, je m'en fous, même si j'ai réservé, tu vois. Le plus important, c'est ça, j'ai la caisse, je suis rentré. Putain, les gars. Vraiment, j'ai hâte de prendre une douche, tu vois, et de manger, frère, un bon truc. Thank you. Go over there in the middle, the orange light, the one without light. Excuse me? That's the exit, over there in the middle. Okay. Take a left. Bon les gars, ça y est. On se barre de là. Thank you.
Ah, une bonne douche. Des bagnoles et c'est la merde. Salut les gars, enfin arrivé à mon appart. J'espère qu'il va vous plaire. T'es genre les gars, on en a rien à faire. Je vais essayer d'arrêter de dire des gros mots. Je trouve que ça fait vraiment pourrave, tu vois, de dire des gros mots, tu vois. Alors les gars, on ouvre la porte et voici les gars, voici ma chambre, quoi ma chambre, mon appart, mon petit appartement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal, hein? Le petit coin cuisine, micro-ondes, frigo, cafetière, petit grille-pain, petit évier. Petite salle de bain basique, hein, avec une petite baignoire. Rien de fameux, faut pas faire attention aux détails. Hein. Mais si tu veux, dans l'ensemble, c'est plutôt correct, tu vois. C'est plutôt pas mal. La literie, c'est ce qui m'importe le plus, tu vois. Une belle literie. Et je peux changer de lit. Un jour, je dors avec celui-là. Le lendemain, je dors avec celui-là. Petite télé, il y a une petite box. Avec une petite vue, tu vois. Une petite vue sur Miami. On voit là-bas Miami downtown. Je me suis un peu éloigné, tu vois, j'aurais pu normalement, tu vois, rester sur Miami Beach. Mais je m'en fous, j'ai une voiture. J'ai une voiture avec un valet. C'est-à-dire que je vais filmer comme ça. Donc j'ai une voiture avec un valet. Ça veut dire que, tu sais, je donne ma carte au valet. Il a toutes les références de ma voiture et il va me la chercher. Et après, je prends ma voiture et je me casse, tu vois. D'un côté, c'est bien, et d'un autre côté, c'est prise de tête, parce que on est au moins 800 ici, tu vois. Donc, tu te doutes bien, si tous les mecs, ils viennent en même temps, bah, t'attends genre une plombe, tu vois, pour prendre ta caisse, tu vois. Donc, c'est les avantages, mais c'est les inconvénients, parce qu'au départ, quand je suis venu, je me suis dit, mais mon gars, je vais galérer en vrai, tu vois. Il y a toute une file, je me dis, il n'y aura pas de place de parking, à mon avis, tu sais, ça doit être creusé dans le sol. Et à mon avis, ça doit tellement être compliqué qu'ils se sont dit, vas-y, on va mettre des valets, tu vois. Toi, en gros, tu sors de ta voiture, tu nous laisses les clés. Et le mec, je lui dis, oh, mais careful. Tu vois, je lui dis, en gros, fais gaffe à ma caisse, hein, mon gars, c'est bon. Eh, me fais pas des histoires, hein, tu vois. Parce que d'un côté, on te la joue genre super service. Et d'un côté, le mec, il te la redonne défoncée, tu vois. Bon, alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre une bonne douche. Et je vais aller m'acheter un petit truc à manger. Je vais remplir le frigo. Parce que je trouve ça trop classe, comme ça le frigo il est blindé, tu vois. Et quand t'as pas envie de sortir ou de te faire chier, ben c'est top. Ou même, t'es un petit creux la nuit. T'as un petit creux la nuit, t'ouvres ton frigidaire, oh, c'est trop bien. Bon les gars, j'espère que cette aventure vous a plu. C'était un truc de malade, c'était le jour 1. C'était plein de procédures, plein de prises de tête, tu vois. Parce que c'est pas facile, hein, putain. Je te jure, les gars, faut vraiment... T'sais, moi, je suis habitué un peu, des fois, à souffrir. Je me dis, vas-y, prends sur toi. Tu sais, c'est flippant de te dire, en fait, que même si tu payes, même si tu mets tout l'argent possible et inimaginable, ils ont le pouvoir de dire non, sans aucune raison. Non, on veut pas de toi. Tu vas reprendre l'avion, tu vas te casser dans ton pays. C'est flippant quand même, tu vois. Tu sais, quand t'es dépendant des gens comme ça. Alors que derrière, tu vois, t'as pris un hôtel, t'as pris une bagnole, tu vois, t'as pris de l'argent, t'as organisé un voyage depuis longtemps, tu vois. Mais tu vois, dans ma tête, c'est clair que je serais pas revenu en France. Hein. Moi, je me serais dit, ok, j'ai pas le droit de venir dans ton pays, mais vas-y, je vais au Canada. Pourquoi tu veux que je retourne en France? Je vais au Canada, je vais à Cuba, je vais au Mexique, je vais en Martinique, tu vois, parce que c'est des îles qui sont, c'est à côté, tu vois. Mais vas-y, pourquoi tu veux que je rentre en France? Tu sais, t'as prévu de te faire des vacances et retour à la case départ. En plus, tu sais, quand tu dis à ta communauté, les gars, Miami Beach, et puis en fait, t'es là, tu reviens, bah non, ils ont pas voulu de moi, t'es le gars, ils se font fouler. Les gars, j'espère que cette aventure vous a plu.
Restez connectés, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je reprends des forces, on se revoit bientôt. Ciao les gars.